this Duke King Julius style. Salutations les murs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour notre 29e épisode sur V Rising. Comme vous l'aurez constaté, je suis à la petite montagne Lume-Argent, du moins, je sais pas si c'est... les collines Lume-Argent, je suis paumé ici, alors j'ai commencé à farmer, vous voyez un petit peu tout l'argent que j'ai récupéré, toutes les ressources, quelques lotus, des bijoux en or et du fil impérial, ainsi que quelques plans. On va continuer... Ah bien écoutez, allez farmer, alors, je suis en train d'inspecter un petit peu, là j'attendais que la nuit revienne. Et c'est le cas, on a loupé déjà une bonne partie. Donc j'aimerais bien aussi avant de partir aller voir un petit peu les harpies. Et elles sont vers le camp de l'armée, là le nid de harpies c'est ici. Donc il faudrait que je descende par là. En espérant qu'on ne croise personne, ce serait pas mal. Alors, déjà il y a une... Un garde devant. Et on va devoir emprunter le même chemin. Je peux peut-être essayer de la tapoter. Hein. On a déjà frité pas mal, donc... On va fracasser tout ça. J'aurais préféré qu'il me fasse repartir de l'autre côté, ça aurait été beaucoup mieux. Surtout que là, ils sont pas mal. Ça comme ça. Ici on va esquiver. J'espère qu'il n'y en a pas derrière. On va lui envoyer ça sur la tronche. J'aime beaucoup ce sort. Ah, par contre là ça picote un peu. Et il y a des harpies là, on les voit juste au-dessus. Oh putain, elle m'a quand même eu. Ouais, je vais la pomper. Ça me prend un sang de meilleure qualité. Ok, du fil impérial. Là, c'est du fil de laine et des fibres. Alors, j'ai trouvé qu'une seule entrée pour le moment. Aïe. On va déchiqueter tout ça aussi. Oh, lingot de fer. Ah, j'ai pas de place pour le fer. Et j'ai pas de rage. Je garde ça au cas où. Là, je dois me faire des petits breuvages. Donc là, pour le moment, je vais pas le prendre. J'ai sûrement ma vie qui va régène d'elle-même. Pierre à aiguiser, je peux pas non plus. Ah, ok, je vais repartir sur l'arbalète. Alors, avec le fer qu'on a chopé, on va peut-être pouvoir se faire l'arbalète. Je suis retourné aussi du côté de la forêt. Alors, malheureusement, j'ai pas eu de fil fantôme. Donc, on peut peut-être essayer de se taper... Oh, putain, elle fait mal, cette conne. Ah ouais, ça fait rien du tout ça. Hein. Son tourniboulis, ça a évité quoi. Ah putain, il y a des gardes. Ah ok, faudrait pas que je me mette dans le caca. Ah, s'ils peuvent se friter entre eux, je vais en profiter, bah... Ah, pour me faire un petit cocktail pour le coup. Histoire de conserver mon sang un peu plus longtemps. Là, ils l'ont buté, donc voilà. Ah merde. Ouais. On va aller ramasser tout ça après. On va les éviter. Non, le cheval, il est encore là. Je l'avais croisé tout à l'heure. Il était en train de perdre un petit peu sa vie. Mais je vois qu'il est toujours entier et qu'il n'a pas changé de position depuis tout à l'heure. Peut-être m'accélérer un peu pour me faire oublier. Surtout que là, le jour va se lever, donc on va attendre. Hein. Je vais me trouver un endroit où me planquer. On va rester avec l'autre loup. Ça j'ai déjà. Ouais, c'est des personnages. Faudrait des lotus. J'aimerais bien choper des graines de lotus comme dans la forêt. Hein. J'aimerais bien choper des graines de champignons fantomatiques là. Je sais pas si c'est possible ou non. Pour le moment j'en ai toujours pas eu. Ce qui me permettrait d'en faire pousser à la maison. Est-ce qu'il serait en soi pas mal? Ouais, prendre. Je sais pas pouvoir. Ok. Ils sont tous là.
Et la petite fiole va mettre d'aucune utilité. Je vais attendre un petit peu et après on va aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Ok messieurs, dames, je viens de trouver un petit spot de fer. On va le prendre avant d'aller voir ce que la petite dame nous a amené. Alors je suis venu me planquer ici. Parce que ça craint du boudin. Ah ouais, là je commence à prendre tarif avec l'argent là. Ouais, on va atténuer un petit peu. Je crois que je vais pas devoir traîner. Parce que si ça commence à me travailler comme ça, avec tout l'argent que j'ai sur moi, là, va falloir s'en débarrasser. Je vais garder les os et débarrasser ça. Ah ouais, ça commence à me titiller les papilles là. Je sais pas combien je vais pouvoir en transporter encore. Je sais même pas si ce que la petite dame m'a laissé tomber par terre, ça va être encore présent. Putain, il y a une patrouille. Il y a une patrouille, il n'y a pas un pet de soleil. Et je sais qu'ils vont passer sur le pont. Donc, ça m'aide pas beaucoup. À moins que celle-ci... Non, c'est... Ok, c'est pas celle qui passe sur le pont. On va allonger tranquillou sur le côté. Là, je pense que c'est bon. Ah, le chien, on s'en fout. Ah, je vais tracer ma route. Ah, je crois que ça a des pop au final. Ah, ils sont en train de se friter avec une... Ah ouais, il y a beaucoup de monde. Peut-être attendre de voir comment ça va se passer pour eux. Je crois que j'ai une autre patrouille qui se pointe. Alors, je vais peut-être me décaler. Peut-être qu'ils vont rejoindre le combat. Ils vont tous se mettre sur la tronche. Et d'ici là, peut-être que la nuit va tomber. Il y a plein de trucs à looter en plus. Vas-y, je vais mettre mon grain de sable. Ah merde! J'aurais dû pomper le sang. Ah, je peux peut-être la bouffer. Je vais peut-être pas la bouffer entièrement. Poudre de gemme, ok. Et là, j'ai des essences sanguines. Ah putain, j'ai peut-être pas dégagé toutes les peaux, je vais dégager les os. Hein. Bah je peux le croquer directement, on va faire ça, je vais récupérer le fil impérial. Et donc là... Ah ouais, les harpies, elles filent que de la poussière de gemme. Ok. Ah, écoutez, avec tout ce que j'ai sur moi, je vais pas traîner plus longtemps. Je vais essayer de taper un autre morceau de fer si je peux et qu'il y en a un dans le coin. Et on est reparti. Hein. Là, il y a une patrouille. Hein. Je vais repasser par là. Je vais peut-être pas passer par là. Je sais pas si elle lâcherait quelque chose. Là, elles ont l'air petites. Ah merde, j'en ai un derrière moi là. On va se mettre par là. Ah merci Ding. Tapez-vous entre vous. On va faire ça. Et je vais refaire le tour par ici. Les deux harpies ont pris cher. J'ai pas mon bouclier. Ah ouais, il est badass lui hein. Ah putain, je vais prendre Taro les jeunes. Ah, je préfère fuir. Après la sortie, c'est par là. Si je trouve un morceau de minerai. Ah non, ils sont bien chauds. Il y a toute sa vie en plus. Et moi, non. Ah, je tiens pas à mourir après tous ces efforts. Ah, c'est con, c'est qu'il y avait un petit sac par terre. Ah, se trouve... Putain, je vais être curieux. Je vais devoir aller zioter vite fait ce que c'est.
Je crois qu'on avait déjà vu tout à l'heure. Ouais, c'est de la fibre végétale. Je peux peut-être aller voir vers le spawn là. Je vais faire le tour tout autour. Pour voir s'il n'y a pas un autre filon. J'ai peut-être me régène aussi parce que là je suis en train de me promener. Mais bon. On va peut-être éviter de se piquer. J'allais voir juste au-dessus là. S'il n'y a pas du minerai de terre. J'y suis allé, il y a quelques spots. Donc on va voir si c'est revenu ou pas. Par contre, niveau lotus, faut chercher pendant un sacré bout de temps. Voilà, le cuivre, j'y ai pas touché. Parce que ça me gonflait. Le cuivre, je peux en avoir facilement. Les lotus, ça craint un peu. Et bah le fer, là, enfin l'argent, là, il y en a priori pas. Ouais, c'est pas revenu. Je viens de me taper un lag en plus. Heureusement que c'était pas pendant que je croisais des gardes ou autres, parce que sinon j'aurais pris cher. Là c'est du cristal derrière, là il y a du soufre. Attends, je peux pas passer, c'est une fenêtre. Bah écoutez, ouais, je vais chercher un petit morceau, puis on est parti à la maison. Hein. Ok, mur. On va pomper le guerrier là. Le but ordinaire, on s'en fout. Toi, je vais te croquer. L'huile de poisson, je prends. Et lui, il me lâche quoi? Parchemin. Rubis ordinaire. Comment ça, parchemin? Je peux pas les prendre. Trier. J'ai pas besoin de boire de breuvage. Putain, je vois pas ce que je vais pouvoir larguer, hein, sinon tant pis. J'en ai plein à la maison, mais bon. Moi, je vais dégager le tissu. Putain, mais me le redonnez pas. Ouais, je vais prendre ça. Ah merde, y'en a un là. Aïe. Voilà, merci bien, monsieur. Ah, et donc là, c'est quoi? Poussière de gemme, on prend. Ah, la première fois qu'on était passé de ce côté, il y avait des petits morceaux de minerai. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Et je vais retourner au point de départ. Donc, je vais retourner voir une dernière fois de l'autre côté. Et après, on est cassos. Ok, mur, c'est nickel. J'en ai trouvé un au point de spawn. Et putain, je peux pas prendre le reste de l'argent. Ah, je sais pas combien de temps va faire effet ma popo encore. Ouais, 7 minutes. Émeraude sans défaut. Ah, ça m'intéresse les jeunes. Les personnages, je peux en avoir plein à la maison. Et ça, j'en ai plein aussi en stock. Donc à la rigueur, je vais prendre ça. Ça, je t'ai pas demandé de trop ramasser. Et on va prendre ça comme ça, messieurs dames. Ouais. On va faire ça. Ça me fait un bon stock. Par contre, c'est un bon stock. Mais bon, maintenant, il faudrait que j'arrive à le ramener à la casa. Ce qui est moins sûr. Vu que je ne vais pas pouvoir emprunter notre petit portail de voyage spatial, là. Et je vois rien en dessous. Donc, bah, écoutez, cassos, hein, je vais pas traîner plus longtemps. Si je trouve un lotus en chemin, j'essaie de le gauler. Et donc, moi, il faut que je reparte de l'autre côté. Il faudrait que j'arrive à repasser. Au pire des cas, je peux peut-être prendre un breuvage mineur. Et on va essayer de tracer, hein. Ah, on va essayer de tracer. Ah, putain. Ah, vous êtes relou, les jeunes. Aïe. Ah, vite, vite, vite. Ah, profitez-en pour faire un saut. Et là, on est cassos. Youpi. Ok, mais on est de retour à la casa. On va passer par ici, hein, sachant qu'ils ont sorti un petit DLC spécial Noël. Bah, en vue des fêtes d'Halloween, je pense que pendant que mon minerai va fondre, on va essayer de voir si on peut pas faire 2-3 trucs en déco à la casa. Ranger, déjà déposer tout ce que je peux ici.
Là, je vais en faire autant, mais il n'y a rien. Alors, je vais peut-être changer de forme, ce serait pas mal aussi. Putain, je peux pas, genre... Putain, je peux pas dasher en étant en forme d'once pour rigoler, quoi. Putain, c'est pas le rat que je voulais prendre, mais bon, c'est pas grave, on va le foutre là. Ouais, j'ai mis pas mal d'essence aussi, là, histoire de me faire des essences supérieures. Ce qui me semble en soi pas mal. Et je vais mettre mes cœurs souillés. Ah, il y a moyen de changer de forme, les jeunes. Ah, merci bien, je suis en train de prendre tarif en plus là avec le minerai d'argent. Donc je vais déjà commencer à le mettre à fondre histoire de pas perdre trop de temps, histoire que moi je prenne pas trop de tarif. Ah, je pense que je vais en mettre dans les deux fournaises. Voilà, sachant que là va pas y avoir de place, donc on va faire ça comme ça. Ah, je peux peut-être virer mes lingots de cuivre aussi. Et on va foutre tout ça ici. Voilà, merci bien. Un petit tri. Un petit tri. Écoutez, je vide mes poches. On se retrouve pour mettre quelques petites décos à la maison. Alors par contre, je suis un peu dégoûté. J'ai pas chopé des masses d'huile. J'ai ressorti pas mal de cuir aussi. Alors, je vais foutre cela là, d'ailleurs. Et si on vient ici, vous voyez, j'ai tout préparé. J'ai tout calé. Il me manque juste les fils fantômes. Donc j'en ai même pas assez pour faire un tronçon d'armure. Je suis un peu déçu. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Donc là, ranger. Ça, je vais le mettre aussi. Moi, j'ai récupéré un verre à soie en allant à la forêt, d'ailleurs. Je sais plus si j'en ai posé ailleurs. Et ça, il va falloir qu'on ait la recette pour le faire fondre. Ce serait en soi pas mal. Puisqu'on commence à en avoir quand même quelques-uns. Donc tout ça, on va les déposer. Puis bah c'est parti, hein. Ok, mais j'ai déjà sorti un lingot. Le seul problème, c'est que je vais être en rade de pierre du fléau. Et là, il n'y en avait même pas à côté, donc là, ça va être un peu compliqué. Je vais avoir juste pile poil de quoi me faire l'arbalète. Et des pierres du fléau, j'en ai plus. Donc je vais au moins pouvoir me faire ouais, l'arbalète d'aubépine. Et je me demande si on va pas les taper à Léandra. Parce que des pierres du fléau, j'en ai plus. Et c'est elle qui file la recette. Donc je crois que je vais pas avoir le choix, hein. Je viens de taper les deux que j'avais mis en stock de côté. Je vais récupérer ceci. Je crois pas avoir mis dans mon... dans ma scierie. Ouais si, je vais en avoir qu'un seul malheureusement. J'ai remis un peu de bois à se faire. D'ailleurs, ce serait bien c'est que là je ferme. Ah, c'est en train de cramer devant la maison. Donc... on va sortir quelques parchemins et on va voir les décos qu'on peut se mettre en place. Je sais pas si là j'ai une réserve d'os, non. Il faudrait que je trouve des os. Parce qu'on va en avoir besoin pour certaines décos. Donc je vais prendre ça. Je sais pas si je vais avoir besoin d'autres trucs. On ira chercher dans la malle en haut. Donc là, ouais, c'est mort. Les pierres du fléau, j'en ai plus. Et là, il n'y en a pas. Ici, j'en avais pas stocké. Et là non plus. Par contre, ce que je peux m'amuser à faire, c'est vu qu'on a récolté pas mal de parchemins, c'est s'occuper de ça. Et je m'occuperai de mes plantes plus tard. Donc, bureau d'études. Ici, ça va être rapide. Et je viens d'obtenir. Ouais, machin. Jardinière noble, jardinière vide. Elles sont où tes jardinières? C'est celle-là, là? Décoration de jardin. Ok. Ok, comme ça c'est fait. Et donc ici. Ok, des chaises. Chaises nocturnes. Alors je sais pas si je vais ici, dans le château. Papier peint, rideau, ornement pour pilier. Universel, les chaises. Est-ce qu'ils en ont mis une spéciale Dignité, machin, distingué. On dirait un bureau, là. Table d'études. Érudition. Ok. Deux bois sculptés. Bon, on va se la faire, hein. Et là, ils ont pas mis présage, nocturne. Et distingué. Ah putain, faut des bijoux en or, les jeunes. Lingot de fer. Pour commencer, je vais peut-être pas mettre présage. Je mettrai peut-être celle avec ses ailes. On verra bien. Donc là, maintenant,
Cheminée. Ok, je pourrais me faire une cheminée. Ah bah là, j'ai tout. Ah putain, j'ai plus besoin de mes parchemins, les jeunes. J'ai tout débloqué. Bah, j'utiliserai mes parchemins pour faire des plans dans ce cas-là. Hein. Je vais pas avoir le choix. Hein. Je peux plus rien apprendre ici. Comme ça, c'est fait. Et là, par contre, toi, ouais, il me manque des recettes. Je sais pas si je peux déchiqueter mes parchemins pour en faire du papier. Ouais, mais là, c'est tout fini, quoi. Après, ouais, ce serait un peu con si... Je vais essayer avec une feuille pour voir. Mais je suis pas sûr que je puisse lui donner. Ouais, ok, d'accord. Ranger, trier. Ouais, c'est pas possible. Donc je vais les ranger et je vais m'en servir. Bah, d'ailleurs, je peux peut-être les foutre directement ici, même si j'ai pas la recette. Comme ça, au moins, si je débloque la recette, bah, ça le fera directement, quoi. Sachant que pour l'avoir, faut aller voir l'espèce de Yeti ou bonhomme des neiges. Donc, c'est pas pour tout de suite. Pareil, les plans. Il va falloir une tripotée d'argent, c'est un truc de fou, finou. Et il me faudrait le sol correspondant. Hein. Et c'est le sol de la bibliothèque. Je crois qu'ici, je mettais la couture. La bibliothèque, il faudrait que j'aille la poser en haut. Et que je finisse mon manoir. Ce serait pas mal. D'ailleurs, même les cellules, il hein, faudrait que je les décale. Alors, j'ai failli choper une voyou 90, me semble-t-il. Mais ça l'avait pas fait. Et je sais pas si pour le château, j'ai le sol de prison. Je crois que j'ai les murs, mais j'ai pas le sol. Donc je vais aller chercher mes petites ressources et je vais foutre un plancher quelconque. Au pire, on va foutre les murs. Je vais essayer de déplacer mes cellules. On va prendre tout ça. Je vais reprendre d'autres planches. Et pareil, hein. Si je veux améliorer mon cœur ici, vous imaginez, là, il va me falloir 24 lingots d'argent sombre. Il va falloir en bouffer de la pierre de fléau. Ah, donc nous voici, nous voilà. Donc pour commencer, sol de château. Peut-être pas mettre un motif royal, je vais mettre un motif quelconque. Laboratoire, couturier, bibliothèque et de crypte. J'ai mis... celui-ci, j'aurais pu mettre... j'ai pas peut-être claqué autant. Autant que je mette un sol quelconque. Pour commencer. Ouais, c'est vraiment chiant que j'ai pas réussi à... Putain, ça me fait claquer des essences. C'est un peu chiant, quoi. Ouais, mais au moins, ma pièce, elle sera fermée. Et je serai pas là à galérer... avec le soleil. Je sais pas où est-ce que je vais foutre ça. Je vais essayer de le caler dans un petit coin pour le moment. Et je vais essayer de déplacer mes cellules. Je vais en foutre une au fond. On va la pivoter dans ce sens. Voilà. Et après, je vais pouvoir en foutre deux autres ici. Peut-être que là, la fenêtre va falloir que je la condamne. Je vais déplacer ma bibliothèque aussi, ce serait pas mal. Et le truc, c'est qu'il faut que... Ah, je charme le monsieur. De quoi? Présence dominante doit être activée, ok. Ouais, vas-y, viens avec moi. D'ailleurs, toi, je pourrais te foutre dans le cercueil, hein. Convertir. Chasseur des terres agricoles. Expertise. Réduit la difficulté de sang lors d'une chasse dans les zones habitées par des créatures et des démons. Qualité du sang 41%. Ouais, je vais le convertir. Voilà, merci bien. Ça, ça me fait une cellule de vide. Donc... Après, il aurait fallu peut-être que je les foute à... Ouais, si j'en fous une là, ça va être compliqué, hein.
pense que ça va être un tout petit espace. Ça va être un tout petit espace, à moins que je... Enfin, je peux pas après réduire... Ouais, je peux pas vraiment réduire ma... Ma petite crypte. Du moins le sol, parce que si je dois foutre 5 cercueils, j'ai pas fini, quoi. Donc charmé, vas-y, viens. Et je vais te foutre par là. Emprisonné. Donc là, c'est le voyou. Ah, là, c'est le voyou. Après, sinon, j'agrandis ici. Mais pareil, je vais devoir fermer la fenêtre. Parce que là, pour circuler, les gènes, ça va pas être pratique. Hein. Si je foulais une cellule ici, c'est mort. Même là, pour circuler, c'est chaud tendu, quoi. C'est chaud tendu. Vas-y, viens avec moi, toi aussi. Il faut que je leur trouve un meilleur endroit que ça. Hein. Parce que là, au final, c'est trop petit, quoi. C'est trop petit. Ça ira bien pour le moment. Mais c'est trop petit. Et j'espère qu'ils m'ont laissé mes ressources ouais, dedans. Parce que sinon, ça va être embêtant. Donc là, on en a deux. Le troisième, il est là. Mais là, pour les cellules, je vais pas avoir assez de place. Donc là, tout cet espace, va falloir que bah, j'agrandisse ma crypte au final. Parce que si je la réduis... Après, peut-être que je peux foutre facilement 5 cercueils. Hein, je sais pas, on verra. On verra. Pour le moment, la cellule, je vais la... Je vais la décaler ici. Mais bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Ouais, il y a toujours quelqu'un dedans. Ouais, c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est un peu compliqué, là, j'ai envie de vous dire, même. Parce que pour foutre les choses... Ouais, c'est mon coffre, il est à l'endroit. Ouais, si je vais en mettre 5 comme ça, des cercueils, j'ai pas fini, quoi. Bref, je pense que mon argent, il est sorti. Enfin, du moins, le sombre argent. Et donc là, j'ai un lingot. Là, je vais en avoir 15. Et donc, qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Ah bah, je peux la faire. Des lingots et des planches. Et j'ai pas besoin de sortir. Ah, j'ai pas besoin d'avoir les planches sur moi, c'est cool. Elles sont... Ah bah non, si, elles étaient là, je les avais mis de côté. Ok, bah parfait. Hein. On va laisser ça se faire. Je sais pas si... Ouais, je vais aller... J'avais mis un coffre avec des armes. Je vais mettre mon autre arbalète dedans. Non, si je veux bien ouvrir, je vais foutre ça ici. Et ouais, après, ben si j'ai agrandi même à l'extérieur, et je vais être embêté. Déjà parce que ma symétrie sera plus parfaite, mais que je vais perdre parce que si je viens là, je vais avoir un tout petit balconnet devant là et je vais perdre cet espace. Quoique de l'autre côté, tout cet espace, je l'ai pris. Hein. Ouais, c'est un peu plus large de l'autre côté. De toute façon, ici, je peux pas poser de structure. Là, faut que je me fasse la hache. On va s'améliorer notre hache aussi. J'ai tout préparé pour. Je vais couper tout ça. Ok, comme ça je vais bien perdre de l'espace. Ah, parce que là le bâtiment il est tout agrandi, donc à la rigueur, qu'est-ce qui va gêner là? Nécessite d'être connecté. Ouais, bah je peux venir là. Je viens là. Je viens là tout le long. Comme ça je peux agrandir. Je peux au moins agrandir cet espace. Après, on peut voir pour déjà péter ce mur. Voilà, merci bien. Donc, déjà, château. Hop. Vous déconnez, il y a les arbres qui gênent. Ok.
Ok, château mur. De l'autre côté, on est d'accord qu'il n'y a pas. Ouais, il n'y a pas de fenêtre, rien. On va se fermer ça tranquillou ici. Non, je veux pas passer aux fenêtres, les jeunes. On va essayer de voir où on va. Je pourrais essayer de refoutre une fenêtre ici. Et il va me manquer des planches. Ah, comme ça, au pire des cas, je vais. Ouais, mais. Putain, pour aligner. Enfin. Pour foutre toutes les cellules là et les aligner, pareil, ça va être tout rikiki quoi. Ça va être tout rikiki. Je vais essayer de voir comment je vais m'en sortir, mais ça m'a l'air un peu compliqué là. Autant mettre le bois dedans. Putain, merde, ils m'ont pris mes 16 planches. Bon, je vais faire ça comme ça. Ça, je vais le prendre. Ah, merci bien. Ah, je crois que là, j'ai quelques briquettes. Ah, je vais tout prendre comme ça, je suis tranquille. Et donc là, est-ce que c'est sorti? Oui. Ok, on peut peut-être aller tenter les Andras ou le golem de pierre après. Je suis niveau combien là? 58. Ah, j'étais 55 avant. D'ailleurs, mes haches. Tant que je suis ici. Il me faut 4 essences sanguines. Ok. Donc normalement, elles sont sorties. Je sais pas si j'en avais stocké là. Ou mis de côté dans un coin. Je sais pas si j'en ai mis dans un coffre ici. Bah écoutez, je vais aller les chercher là-bas sinon. J'en avais mis une ici, mais je sais plus à quoi elle va me servir. Peut-être, je l'avais peut-être mis de côté pour reposer un cercueil. Ok, j'ai pris toutes mes essences, comme ça je suis tranquille. En plus, là j'ai un bon niveau de sang, donc autant essayer d'en profiter. Je suis allé un peu trop loin, c'est par ici qu'on va aller. Donc là, on va s'améliorer notre petite hache de fer. Comme ça, on sera bon. Ah, merci bien, tout est fait. Et là, je suis tranquille au niveau des armes. Par contre, pareil, hein, il faut toujours le sol de forge. Il va falloir que je chope du papier, les jeunes, parce que là, ça commence à craindre du boudin. Donc, j'arrive à en faire plus. C'est pour ça que j'allais relancer des planches, histoire de récupérer de la sûre. Et d'en faire un peu plus, parce que bon... par contre, là, ouais, c'est le couloir qui va me stresser l'haricot. La cellule, là, elle est vide. Ouais, vous voyez, si je mets ça là comme ça tout le long, c'est pas la peine. Hein. J'arriverai pas à circuler. Hein. Donc, je vais devoir agrandir ma pièce et. Donc là, je vais me refoutre une petite fenêtre. On va fermer tout ça. Donc, maintenant, faut que je m'amuse à mettre du sol de crypte partout, quoi. C'est génial. Donc, sol de crypte. On avait mis les gros carreaux. Qu'est-ce qui me manque? Ah, de la poussière de tombe. Commençons à partir d'ici. Non mais... Mets-toi dans le bon... Pourquoi il me gonfle là? Ah, merci bien. Donc va falloir que je dégage. Et ma bibliothèque. Ah voilà, parfait. Réduit le temps de conversion des humains en serviteurs vampiriques. Ok. L'arbalète de la milice. Ok. Qualité de sang. Expertise 48%. Ok. Ok, bon, on va laisser se faire convertir. Ah, donc ouais. Donc là, au moins, maintenant, j'ai un sol de crypte partout. Ah, donc, concernant la petite fenêtre, vu qu'on est dans une crypte, j'avais vu qu'il y avait quelques petits trucs pour les fenêtres. Ils ont mis des rideaux spécial Halloween. Rideaux spécial fenêtre. Avec une belle petite toile d'araignée qu'on voit légèrement là. Voilà, donc ça c'est fait. Pour l'extérieur, je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose. La cheminée, je vais peut-être pas mettre ça là. Je vais mettre ça dans ma petite maison. Là c'est tout ce qui est statue.
Là, c'est les vases. Là, il y a miroir. Donc, il me faut des lingots de cuivre. Il y a un miroir spécial. Spécial Halloween. Alors, je sais pas si je vais pouvoir avoir tous les items. Mais bon. Déjà, au moins, j'aurai mon miroir. Alors, je le déplacerai après ailleurs, bien sûr. J'espère qu'il est dans le bon sens aussi. Donc ça c'est fait, il y avait distingué et tout. Et donc là faut qu'on trouve tous les trucs de nuit tourmentée. Donc dans les vases, je pense pas qu'il y ait un truc en particulier. Les statues non plus. Les meubles. Il y a cette magnifique chaise, mais bon voilà. Après il y a celle avec le lingot. Du bois sculpté, je sais pas si j'en ai, je peux peut-être le faire. Mais ce serait pour aller en haut et il va falloir finir le manoir. Donc là, tout ça, c'était fait. Donc, le meuble, voilà. Éclairage, il y a ça. Il y a ceci, messieurs, dames. On peut peut-être se mettre ça à l'entrée. Voilà, merci bien. Je vais en mettre un ici aussi. Et, soyons fous. Et là, je peux pas avec la cellule, quoique je peux le mettre sur le côté pour le moment. Et donc, par opposition, je peux en mettre un de ce côté. Voilà, ça éclaire plutôt pas mal. Ah, et après, il y a ça. Je peux le foutre en plein milieu. Hein. Voilà, parfait. Lampadaire. Ah, il y a des lanternes. Il faut que je sorte du bois sculpté, les jeunes. Ah, faut que je sorte du bois sculpté. Mais là, on va y aller. Illumine l'obscurité. Ouais, moi, je veux celle-là avec les bougies. Elle a l'air d'être pas mal. Je peux peut-être en faire un modèle de chacun. Hein. Parce que de toute façon, je pense pas qu'après, là, il y a ceci. Universel, on a vu. L'éclairage, bah, y a les citrouilles à faire. Le sol à l'extérieur, ça va attendre. Les rideaux, bah, je peux pas en mettre plus. Je suis pas sûr que je puisse m'amuser à mettre un... Ouais, je m'en fous après contre les murs, quoi. Histoire de... De décorer un peu. Et rendre les choses un peu lugubres. Comme là, de chaque côté. On peut tester aussi celui-ci. Ah, c'est pour les colonnes. Ah non, merde! Ça m'a viré mon... Ah putain, vous déconnez ou quoi? Je peux pas, ça m'a viré mon... Ma loupiote. Ah putain, c'est abusé. Éclairage, lampadaire. Ah ouais, je suis dégoûté quoi. Là, je viens de claquer des ressources pour rien. Rideau. Rideau de toile araignée. Pour pilier. Vas-y, fais péter ton pilier. Et puis là, à l'intérieur, ça veut pas. Hein. Je pourrais le mettre à l'extérieur, sinon, mais on verra peut-être pas forcément, quoi. C'est con qu'on puisse pas le mettre... Bon, je vais en foutre un ici. Et je vais en foutre un là. Alors, par contre, ça me coûte des os, donc on va quand même faire gaffe. J'ai pas non plus en mettre 3000. Nuit tourmentée. Ok. Ce serait tout le... Et ça me coûte quoi? Juste des planches. Ouais, je vais en mettre comme ça. Après, là, de ce côté, j'aurais pu... Non, je vais le remplir comme ça. Et l'autre, je le mettrai ailleurs une prochaine fois. Je vais en mettre que... 3, je me vois peut-être pas en mettre sur toute la longueur pour le moment. Il faudra que je trouve une utilité à tout mon espace là, parce que ça va être une vraie galère. Donc les murs de prison pour le moment, ça va pas me servir à grand chose. La production, l'enclume, je l'ai ce bordel. Ah ouais, non, fallait 32 lingots de sombre argent, donc c'est juste pas la peine. Ouais, non, on a l'atelier de ferronnerie. Putain, celui-là, je l'avais complètement oublié quoi. 32 lingots, vous imaginez ou quoi? C'est juste pas possible. Ambroise, machin et tout, sans là, ambroisie. Sans fin, les armoires, il n'y a pas plus.
Ici, ça on a. Les coffres. Ah putain, j'ai un coffre spécial Halloween. Je sais pas la contenance qu'il y a. Il m'en fallait de toute façon. Je vais en mettre un dans l'atelier d'alchimie là. Et je vais m'en mettre. Je vais m'en mettre deux. Alors je suppose que ça va avoir la contenance d'un petit coffre. Oh putain. Ah, je sais même pas ce que j'ai. Putain, je suis encore en train d'hypnotiser ou quoi les jeunes? Ouais, merci bien. Ah ouais, c'est des. En fait, c'est les petits coffres comme ça. Hein. C'est les petits coffres. Bon, c'est. Voilà. Je vais en faire que deux. C'est un peu con qu'ils aient pas mis un gros format, mais bon. Ouais, c'est que du bois. Donc voilà, raffinage. Raffinage, je pourrais essayer de foutre d'autres tombes. Voilà, la presse à papier, tout ça, on l'a. La recherche, ça, on l'a. La domination, je pourrais me remettre des coffres. Enfin, des cercueils plutôt et pas des coffres. Je pourrais m'en poser. Putain, ça va être le bordel ici. Je vais juste m'en mettre un deuxième au cas où. La chaise c'est fait. Ça, je peux pas l'œil de crépuscule parce que j'ai pas la recette des lingots d'or. Stockage c'est fait. Domination c'est fait. Recherche c'est bon. Raffinage c'est fait. L'artisanat, il nous manque les lingots et les essences sanguines originelles. Donc c'est même pas la peine. Pour le château, les sols on a vu. Les décos là on a vu. Le tapis. Ouais, c'est ça que je voulais. Tapis de nuit tourmenté, les jeunes. Alors par contre, faut que je. Me décale sur le côté. Puis sachant que j'ai mon tapis en dessous, donc bon. Je vais peut-être m'en foutre un là dans le couloir. Histoire de. Et qu'il va me manquer des ressources. Et c'est quoi? Ouais, des rouleaux de tapis. Il nous resterait que ça à mettre. Donc comme ça, c'est réglé. Je vais me faire un micro tapis ici. Donc château. Papier peint, fenêtre, tapis, merci. Celui-là je le ferai dans mon château en haut. Donc là, c'est de l'autre côté qu'il faut que je me décale. T'es te sens pas obligé de zoomer, merci. Donc un petit bout pour aller là-bas. On va se décaler histoire de pouvoir voir quelque chose. Je sais pas si je pourrais le faire. Je vais peut-être pas le faire dépasser. Voilà, merci bien. Ok. Et puis bah je vais le fermer hein. Bah écoutez ma foi, je pense qu'on est bon. Barrière. Ah ouais, j'ai les barrières nobles à mettre. Structure et déco. Là je peux faire des bancs, mais il faut des corps de pierre. Il va me falloir de l'argile. Là, je vais pouvoir faire des petites corbeilles de fleurs. Ça, on l'a fait. Les chemins, c'était bon. Et réserve d'eau, j'ai juste une fontaine à poser. Il me faut des corps de pierre. On s'occupera de cette partie une prochaine fois. Là, on a fait un peu toute la déco d'Halloween. Bon, les coffres étaient sympas, mais... voilà, quoi. Et là, j'ai plus de place. Ok. On va se les mettre ici, les jeunes. Ah, ça c'est la première. Ça c'est la seconde. Ah ouais, il y en a d'autres. La première, on l'a fait. Avec les bougies. Après il y a. Oh, putain, pourquoi ça veut pas? Il y a celle-ci et il y aurait que les bougies. On est d'accord qu'il n'y en a que 4. Ouais. Et on a fait tous les modèles. Ici, il n'y aura rien. Putain, c'est relou de devoir glisser à la molette. Parce que je peux pas... on va décaler la bande autrement. Ah si, là, en chopant la petite barre. Donc si je fais ça... Ok. Je l'avais pas vu ça là. Bah écoutez, voilà. Hein. On a tout fait. Je vais dézoomer un petit peu... pour qu'on puisse voir
Ce qu'il y a, ah, par contre, c'est chiant le contour là. On en est fin prêt avec notre belle arbalète. Eh ben écoutez, pour fêter Halloween, regardez-moi ça, comme on n'est pas beau. C'est chiant qu'il n'y ait pas une touche pour faire disparaître l'interface. Ok, bah écoutez, a priori c'est pas le cas. Bah écoutez, voilà, je pense qu'on n'aura pas le temps d'aller en chasse. On ira la prochaine fois, je vais vider mes poches et je vais me préparer et puis je vais lancer ça directement après. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si tel le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et si vous voulez pas louper la suite de nos aventures, eh bien n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela. Sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde et survivez bien. Et je vais commencer un peu les travaux en haut, histoire qu'on avance un peu. Et on ira en chasse la prochaine fois pour peut-être tenter déjà le golem, je pense. Miss Golem, je vais la traquer directement. Et on ira voir Léandra la prochaine fois, juste après si on peut. Cette fois c'est la bonne, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde et survivez bien. Ok, Emur, je vous reprends vite fait. C'est vrai que là, si je pose mon atelier de couture, ce serait peut-être bien que je pose le plancher de couturier, justement. Alors, le rouge, franchement, c'est des bandes comme ça. Et là, le vert. Oh putain. Ça va être un peu trash, le vert. Je vais en... Ouais. Je vais en mettre un rouge pour voir aussi. Je vais mettre du rouge partout. Hein. Ah, ça me coûtera peut-être moins cher en ressources comme ça. Ce serait peut-être pas mal. Ouais, ça fait bizarre les... Ouais, c'est vraiment cousu, quoi. Et on voit les trucs qui gondolent. On dirait du linol, machin. Donc si je viens là, j'ai bien mon sol. Et par contre, faut que je dégage. Ah, peut-être que ça me coûtera moins de ressources maintenant, là. Ah, ça m'en coûte 6 au lieu de 8. Et bah ça, c'est une bonne chose de fait, les jeunes. Ah, même quand j'ai fait mes bottes alors et mes trucs, j'aurais peut-être dû mettre le sol d'abord pour que ça me coûte moins de ressources. Et pareil, je suppose que là, pour faire le cuir immaculé, maintenant, ça me coûtera peut-être une flasque d'huile en moins. D'où le fait que maintenant, ça m'en ressorte. Ah, donc c'est plutôt cool. Par contre, la presse à papier, bah, faut que je la dégage dans la pièce de bibliothèque. Écoutez, ma foi, c'est parti, hein. Excellent! Oh, donc, il me faut simplement quelqu'un. Enlève le doigt. Les doigts! Allez, il me faut une personne, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour, qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil. Un authentique héros! Vite! Avant de retrouver l'usage de notre cerveau!